Je réduis mon secteur à la ligne ici que je fais, donc Roubaix au téléport, et puis jusqu'à Tourcoing Centre. Voilà. À chaque 10 minutes à pied de la ligne, bon voilà, je peux intervenir dans les 30 minutes chrono. Ah bah tiens, j'ai un appel. Ah bah attendez, excusez-moi. Allô? Oui! André Serrurier, 30 minutes chrono au service. C'est le nouveau, hein, c'est les 4G. C'est la 4G V1.2. Ouais. Ouais. Oui, madame. Ah, vous êtes passé devant. Ben, j'en ai une autre ici à côté, là. Non, pas encore. Vous n'êtes pas passé encore? Non, mais ça peut arriver. Elle est tête en l'air, là. Oui, votre mari à Marseille. D'accord. Ben, c'est juste à côté de Saint-Christophe, ça. Ben, écoutez, j'y suis dans 18 minutes. Regardez, c'est affiché ici, c'est pas pratique. C'est affiché direct, c'est déjà affiché 18 minutes. D'accord, très bien. Pas de soucis. Oui, madame, ben, j'ai toutes les clés qu'il faut, hein. J'ai trouvé votre bonheur. Voilà. Ben, vous voyez comme c'est pas pratique. Ben, je fais mon bureau dans la liane. En fait, même ma comptabilité, je la fais dans la liane. Ben, regardez, c'est tellement confortable. Ah, c'est spacieux. Alors, ce qui est dommage, quand c'est un peu spacieux, quand on se croise comme ça, ben, on se touche plus les fesses, mais bon. Hein? D'un autre côté, ben, moi, ça me permet de passer avec ma caisse à outils. Ça me permet d'être assis confortablement, puis de faire mon travail de comptabilité, de faire mes devis. Ah ben comme ça, je mets dans le bus. Mais je répare pas plus serrure, mais j'ai. Au revoir les jeunes. Hein? Alors, vous voyez. Alors, en fait, je vous dois un petit aveu, c'est que j'ouvre aussi les serrures, mais pas que les serrures. J'ouvre aussi les cœurs. Ah ouais, parce que des fois, il y a des cœurs, il y a un problème d'ouverture de cœur. Je suis héritier. J'entends pas grand chose là. Ah ben, je suis trouvé de côté. Vous ne voulez pas dire. Bon, ça va, tout va bien. Pas besoin d'intervenir en urgence. Hein? Bah oui, parce que maintenant, sur la ligne, je peux intervenir en urgence. Hein, puisque. Avec mon scooter, quand il y avait les embouteillages, qu'est-ce que je faisais? Je passais sur le côté des voitures et puis je remontais toute la file. Eh bien, déjà, vous allez me voir si vous voulez, la liane, elle fait pareil. Ben quoi, aussi large que ça? Ben oui, elle a des couloirs réservés pour elle. Alors, hop, elle peut remonter toute la file des voitures. Vous comprenez, déjà? C'est un problème de serrure, madame? C'est un problème de serrure. Alors comment vous l'avez trouvé la liane? Impeccable. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut s'endormir. Ben oui, moi des fois, entre deux comme ça, parce que si on s'endort, hop, on a la voix qui nous dit, hop, prochain arrêt, faut s'enchaîner. Voilà, comme ça on peut faire un petit somnoler un petit peu, et puis hop, on est prévenu de l'arrêt. Ben oui, mais pourquoi on somnole comme ça? Parce que... André Serrurier, 30 minutes chrono, il intervient dès 6h du matin jusqu'à 23h. Ah bah oui. Mais vous allez pas me dire, bah, avec mon scooter, pas de problème. Mais avec le bus, bah oui, avec la liane aussi. À quelle heure elle démarre, la liane? 5h30. 5h30, donc moi, bah, je peux être en place à 6h. Jusqu'à quelle heure? 0h30. Eh bah, je peux être en place jusqu'à 23h. Mais c'est pas tout, mes gens. Parce que qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Il y a le foot. Voilà. Et on est des grands supporters de demain après-midi. Hein? Demain après-midi. Alors, la navette après le métro. La navette après la liane maintenant. Hein? Voilà. Ah bah ouais. Parce que le temps de sortir du parking avec la voiture, hein? Le temps de tous les embouteillages, que tout le monde y sorte en même temps, parce que je connais personne quand le stade est plein. Des dizaines de milliers, hein? Alors, bah, là, qu'est-ce que je fais? Je prends la liane, elle m'amène à Villeneuve d'Ascq, hôtel de ville, et puis là, bah, j'ai quoi? 800 mètres, et puis je peux prendre la navette. La navette. Vous avez eu peur? Hein, que je fasse ma publicité dans le plus comme ça? Hein? C'est aujourd'hui que c'est gratuit, madame. Aujourd'hui, c'est gratuit pour l'inauguration. Ah, oui, ah, bah, voilà.